Après midi, je voudrais que nous nous, nous entretenions sur un sujet qui est, qui est merveilleux pour tout un chacun de nous. Je voudrais que nous parlions de comment devenir l'ami de Jésus Christ. Parce que il est très important d'avoir de bonnes relations avec notre Dieu. Il est vrai que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Dieu serait injuste s'il favorisait certains croyants. Nous savons que, autant nous nous approchons de notre Dieu, autant nous sommes bénis aussi. Autant nous vivons aussi dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa sainte présence. En regardant vivre et en écoutant certains enfants de Dieu, il nous semble qu'ils sont plus bénis que d'autres. En réalité, ils ont su établir une bonne relation avec Dieu. Des fois, on sent, on voit, on vit des jalousies, des querelles, des disputes, parce que dans les églises, hein, je parle bien, je ne parle pas dans le monde, je parle dans les églises, parce que il manque de ce relationnel avec le Seigneur. Il manque cette relation intime. Avec notre Dieu. Et Dieu désire que nous soyons réellement intimes avec lui. Et je prends un peu cet exemple de, de Moïse. Il est dit que le Seigneur Dieu parlait avec Moïse. Et face à face, comme un homme parle avec son ami, selon Exode chapitre 33, verset 11. Et la question que j'aimerais poser est ne souhaitez-vous pas une telle relation avec notre Dieu et notre Seigneur ne désirons nous pas avoir cette relation intime où Dieu nous regarde, nous voit face à face, on est avec lui, il nous parle, il nous conseille, il nous console, vis à vis il nous parle comme il parle à, à, à un comme nous parlons, comme si nous parlons à un homme. Et on peut se poser cette question est il possible de l'établir? Oui, c'est vrai que Moïse fut un homme de Dieu d'exception pour avoir le privilège d'être un ami de Dieu. Oui, Moïse est un homme de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais par Jésus, nous sommes entrés dans la nouvelle Alliance. Par une seule offrande, comme nous dit Hébreux chapitre 10, verset 14, par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. En recevant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel par la foi, dans son sacrifice au travers de son sang, nous sommes entrés dans cette perfection. Nous avons le droit à une nouvelle relation avec Dieu, une vraie relation. Et Dieu désire pour tout un chacun de nous que nous ayons cette relation. Il n'y a pas que Moïse qui a eu le privilège d'être l'ami de Dieu. Il y a aussi les disciples de Jésus qui l'ont eu également, je veux dire les premiers disciples. Et nous aussi, Dieu désire que nous ayons cette amitié, cette intimité avec lui, parce que nous sommes amis de Dieu. Si réellement nous le sommes, nous sommes amis de Dieu, amis de Jésus-Christ. Et comme disciples de Jésus, moi chaque jour, et je crois que vous aussi, et ceux qui nous écoutent au loin, chaque jour, désirent ou aspirent à cette relation amicale, intime, avec notre Seigneur. Parce que sans cette relation, il sera très difficile pour nous de pouvoir le voir un jour. Il sera très, très difficile de pouvoir entrer dans, dans son royaume, dans son saint royaume. Jésus s'adressant à nous, il dit... Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, au verset 14 et 15, il dit, Vous êtes mes amis, vous êtes mes amis, si, il y a une condition, vous êtes mes amis si, si, vous faites ce que je vous commande. Ah, d'accord. Nous sommes amis de Dieu. Alléluia. Mais pour devenir ami de Dieu, il y a des conditions. Il y a une condition. Si vous faites ce que moi, Dieu, je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que je vous ai appris tout ce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais vous êtes mes amis, si vous faites réellement, si vous mettez ma parole en pratique, si vous mettez mes commandements en pratique, et j'aime bien ce chapitre 14 et ce chapitre 15 de, 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 de l'évangile selon Jean, et qui parle de l'amour de Dieu. Il dit, si vous vous aimez, si vous vous aimez comme moi, je vous ai aimé. Alors là, on commence à comprendre un peu les commandements du Seigneur. On commence à se dire, ah d'accord, je veux être ami de Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Je crois en Jésus, oui, je crois en lui. Mais est-ce qu'il y a une intimité entre lui et moi Est-ce que je mets sa parole en pratique, ses commandements il dit, le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns des autres. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Ah D'accord. Comment devenir l'ami de Jésus Comment devenir l'ami de Jésus Si on s'entrebouffe. S'il si y a des querelles, s'il si y a des disputes, s'il si y a des murmures, s'il si y a des guéguerres, comment serons-nous amis de Jésus-Christ Puisque nous ne mettons pas ces commandements en pratique. Je prends seulement d'abord celui-là. Je peux aussi prendre un autre qui dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je peux aussi le prendre celui-là. Aimer Dieu ne suffit pas seulement de dire Alléluia, Amen. Aimer Dieu, c'est d'apprendre à le connaître. C'est entrer en lui, c'est le laisser entrer en toi, le laisser conduire ta vie, gérer ta vie, gérer tes pensées, ce que tu es. Ce que tu crois être, tu le laisses ôter cela et accepter ce que lui, il t'accorde. Et tu commences à mettre ce qu'il est, ce qu'il t'accorde qu en pratique, ce qu'il te donne. Je te dis, je mets en toi l'amour, je mets en toi la paix, je mets en toi la joie. Mais si tu n'as jamais cette joie, si... Tu ne produis jamais la paix. Si tu ne produis jamais l'amour, tu commences un peu à, à ne pas faire ce qu'il demande. Vous êtes mes amis. Seigneur, je désire être ton ami. Mais si tu veux être mon ami, mets mes commandements en pratique, dit le Seigneur. Aime déjà ton prochain comme toi-même. Et tu vas voir ce que ça donne. Jésus a tout fait pour gagner notre amitié. En fait, il a donné sa vie sur la croix dans ce but. L'Écriture nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de la croix. Oh quel amour. Oh quel amour. Quand dans son agonie, il a crié, j'ai soif. Il a crié, j'ai soif notre Seigneur. C'est de l'amour qu'il avait soif. Lui qui a tant donné aux hommes dans son extrême souffrance, il n'a pas entendu un mot de soutien. Personne n'était avec lui pour lui dire, ah, courage, Jésus. Oh, écoute, je vais t'aider. Personne. Oh, je vais essayer d'essuyer tes larmes. Personne. Oh, je vais essayer de supporter les douleurs du fouet avec toi. Personne. Je vais essayer de supporter les clous qui transpercent tes mains, Jésus. Ou tes pieds. Personne. Je vais essayer de supporter cette lance qui transperçait ton côté gauche, où l'eau et le sang ont jailli. Personne n'était là. Et quand on lui mettait cette couronne d'épines sur la tête, qui a dit, je vais essayer de supporter ça avec toi Personne non plus. Mais il a fait parce qu'il a tant aimé l'humanité tout entière, parce qu'il a aimé le mécréant, parce qu'il a aimé le voleur, parce qu'il a aimé le menteur, parce qu'il a aimé l'impudique, parce qu'il a aimé le sorcier, parce qu'il a aimé quiconque, afin que quiconque puisse croire en lui et de faire sa volonté et de marcher selon sa parole, selon sa voix. Un cœur rempli d'amour cherche quelqu'un qui l'aime en retour. Quand on est rempli d'amour, on ne critique pas. À moins que ce soit une critique positive. On entend tellement aujourd'hui dans le gouvernement... Critique négative, critique positive et tout le reste. Mais on critique pourquoi On reconnaît plutôt la bonté. On dit, ah, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Mais on ne va pas regarder en commençant à murmurer dans sa tête, hum, regarde-moi celle-là. Hum, regarde-moi celui-là. Et nous oublions une chose, c'est que Dieu nous dit si vous êtes mes amis, et pourtant nous tous qui sommes là, nous sommes amis de Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Nous sommes amis de Jésus. Mais il dit pour demeurer mon ami, pour être mon ami, on a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, on l'a chanté. Alléluia Dieu veut nous faire voir sa gloire. Il dit d'accord, ma gloire c'est que tu commences à accepter de mettre mes commandements en pratique. Commence à mettre mes commandements en pratique. Alléluia. Alléluia. Mettre les commandements du Seigneur en pratique. Un cœur rempli d'amour cherche quelqu'un qui l'aime en retour. On ne peut pas toujours se regarder avec des dons en avant. Mais on doit se regarder comme notre Seigneur nous regarde. On doit s'accepter. Les uns les autres, tels que nous sommes, tels que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Je l'ai souvent dit ici, quand on prend la Sainte-Seine ensemble, nous sommes en train de dire quelqu'un est mort pour nous et nous formons un et un égal un en lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, de, on ne peut pas nous dissocier l'un et l'autre. Parce que nous avons le même esprit. Le même esprit, le même Saint-Esprit. Il est en nous. Mais comment est-ce que le même esprit étant en nous, nous nous dissocions encore Que nous soyons blancs, noirs, métis, jaunes, vieux, tout ce qu'on veut, nous sommes... Un en Jésus Christ. Et nous le chantons assez souvent, nous sommes un dans un même lien d'amour. Si c'est réellement vrai, comment devenir l'ami de Jésus? Jésus mourait non seulement pour effacer nos péchés, mais aussi pour établir de nouvelles relations d'amitié avec lui. Dès le premier jour de sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait Jésus, il est allé à la rencontre de ses disciples parce qu'il a aimé, il les a aimés, il nous a aimés. Il a parlé avec eux, il a, il a marché avec eux, il a mangé avec eux. Jésus était à la recherche de ses amis pour passer un temps avec eux parce qu'il nous aime. Et parce que nous nous aimons les uns les autres, nous faisons tout pour passer du temps ensemble, dans un même lien d'amour. On se regarde les yeux dans les yeux. On a besoin de se raconter des choses, de se dire des choses avec amour. On n'est pas là pour s'asseoir pour critiquer les autres ou bien pour raconter des bêtises sur les autres. On est là assis pour glorifier notre Seigneur et notre Dieu ensemble, dans un même lien d'amour. Alléluia Ah, les amènes là sont un peu petits. Aujourd'hui encore, notre Sauveur a soif de notre amour. Jésus veut goûter ton amour cet après-midi. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. L'essentiel, c'est que tu viennes goûter de son amour. Et... D'accepter ses commandements. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, au verset 12 et 14, il est dit ceci c'est Jésus qui parle. Il dit c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Avec juste raison, nous nous attachons aux promesses du Seigneur chaque jour. Elles sont vraies. Il les a données pour notre bien et nous avons raison de nous en rappeler. Il ne nous a pas autant oublié. Il ne, il, ne, euh, il ne faut pas pour autant oublier ses commandements. Notre Seigneur a partagé son souci avec nous. Il veut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la créature. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux raconter à tout le monde la beauté, la bonté, la fidélité, la joie de cette personne. Quand tu t'es marié, ou bien quand tu étais fiancé, tu courais vers tes amis, tu dis, ah, j'ai trouvé ma fiancée, j'ai trouvé mon fiancé. Et tu allais voir les yeux, ah, il est merveilleux, il a un bon cœur, il est. Ou bien, ah, elle est gentille, elle est ceci. Ah, tu as vu les yeux qu'elle a, on fait tout, on essaie de... de, de d'exalter, de, de, de dire comment la personne est belle. Mais nous, est-ce que nous témoignons de la bonté de notre Dieu, de la beauté de notre Dieu Ça, c'est encore aussi un, un gros péché de ne pas témoigner de Jésus, de notre Dieu. Comment pourrais-je aimer quelqu'un sans parler de cette personne Comment Jésus-Christ veut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la créature. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a fait de nous des témoins. Il a fait de nous la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Si nous cherchons à connaître ses commandements, si nous entrons dans sa vision, nous sommes la voie, nous sommes sur la voie de son amitié. Je reprends cette phrase. Il a fait de nous des témoins. Il a fait de nous la lumière de ce monde. Est-ce que nous brillons Il a fait de nous le sel de cette terre. Est-ce que nous donnons le goût de Jésus-Christ aux autres Est-ce que les autres goûtent Jésus à nous, l'amour de Jésus en nous, la paix, la joie, la bonté de Jésus en nous, quel que soit l'endroit où nous pouvons être Et si nous cherchons à connaître ses commandements, si nous entrons dans sa vision, nous sommes sur la voie de son amitié. Nous sommes sur la voie de son amitié parce que nous désirons entrer dans sa vision de ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il attend de nous. Si Jésus donne des commandements, il faut les accepter d'être des commandements qui viennent de lui et non pas poursuivre des ambitions personnelles. Voilà ce qui nous fait ce qui nous mène à l'échec. Ce sont nos ambitions personnelles. Nos ambitions personnelles. Nous voulons souvent que Dieu fasse comme nous nous désirons. Mais nous ne voulons pas faire comme Dieu veut. Dieu nous dit Je te donne ma joie afin que tu puisses aussi donner la joie aux autres. Mais seulement, la joie que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous en faisons Qu'est-ce que nous communiquons aux autres La paix que Dieu nous donne, qu'il nous a laissée, qu'est-ce que nous en faisons de cette paix Est-ce que nous sommes en paix les uns envers les autres L'amour, on revient à ça parce que c'est très grand l'amour. Est-ce que nous témoignons de l'amour aux autres Ou bien nous formons des petits clans dans la maison de Dieu Des petits clans. Et dans ces petits clans, on trouve des cancans. C'est regrettable carrément regrettable. Est-ce que nous arrivons à nous embrasser les uns les autres Avec un saint baiser, comme dit la parole de Dieu, nous sommes un dans un même lien d'amour. Quand nous nous regardons les uns les autres, comment est-ce que nous nous regardons Est-ce que le cœur est heureux de dire, ah, ma soeur est là, je suis très heureux. Mon frère est là, je suis très heureuse. Est-ce qu'il y a cette joie ineffable, qui nous gagne. Ou bien, je veux prendre cet adage de ce monde-ci, qui nous dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Attention, frères et sœurs, l'amitié de Jésus-Christ doit être authentique, vraie. Nos ambitions personnelles, Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas de nous. Il veut ce qui est de lui en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean chapitre 3, verset 30. Il faut lui manifester ma mise à sa disposition. Je dois être disponible à mon Dieu, m'alliable entre ses saintes mains. C'est vrai, ce n'est pas chose facile, mais c'est ce que Dieu désire pour tout un chacun de nous. Je peux prendre des exemples dans la Bible, Esaïe, dans Esaïe 6, où il dit Moi voici, envoie-moi. Il voulait se mettre à la disposition de son Dieu, se laisser être malléable entre ses mains. Autrement dit, il dit Je suis disponible pour faire ce que tu veux. Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, où. <laughs> Il pose la question à Jésus, que veux-tu que je te fasse, Seigneur Que veux-tu que je te fasse Ou bien, que veux-tu que je fasse pour toi On va pouvoir dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Dieu a besoin de nous, nous avons besoin de lui, devant l'amour de Jésus. Paul a dit, je suis à ta disposition. Quels sont tes ordres Et nous, sommes-nous prêts à pouvoir dire cela Père, je suis prêt à ta disposition. Malgré les aléas de la vie, Seigneur, me voici. Je veux demeurer dans tes commandements, je veux les mettre en pratique, je veux me laisser guider par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Alors, avant d'être ami, que faut-il faire ou être Pour être un, un véritable ami de Jésus-Christ, il faut d'abord être serviteur. Serviteur. Il faut d'abord servir. Il faut être fidèle. Il faut servir. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Jusque-là, ses disciples étaient ses serviteurs. Il s'est servi d'eux, il les a envoyés deux à deux dans les lieux où ils devaient passer. Il s'est servi de leur barque, de leur capacité de pêcheur. Il a testé les dispositions de leur cœur. Le Seigneur a préparé du travail pour chacun de nous. Il a des œuvres qui sont déjà en attente, spécialement pour, pour vous. Plein d'œuvres. Il attend juste que tu puisses dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Je veux marcher dans l'obéissance, dans tes commandements. Le apôtre Paul déclare Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus. Nous sommes créés en Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes créés. En Jésus, pour Jésus, pour sa gloire. Ça veut dire que nous sommes à sa disposition, pour lui. Notre vie est à lui. Christ pour de bonnes œuvres. Oui, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. C'est à nous de découvrir les œuvres préparées. Jésus a dit à ses disciples Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Frères et sœurs, est-ce que nous portons réellement la semence de Jésus dans notre vie Est-elle là Au lieu de critiquer. Et ceux qui sont en train de mourir dans le monde, nous oublions souvent que nous étions des, comme, comme eux. Nous oublions souvent cela. Des fois, on voit un malheureux dans la rue, un mendiant ou quelqu'un qui n'a rien. On passe. On dit encore lui, oh là 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 là. On n'a même pas un peu de temps de lui dire, mon ami, ça va tu as un peu de pièces ou un peu de. Ce pas en croissant quelque chose, tu donnes. Il y a des vrais mendiants, il y a des vrais pauvres qui ont besoin et qui ont des grands besoins. Et Dieu dit allez aussi vers eux. Allez, allons vers le musulman qui a besoin de la vérité. Allons vers le catholique. Allons même vers les pentecôtistes et tout ce qu'on veut pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Allons vers eux allons les chercher. Allons témoigner de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la victoire de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Est-ce qu'on le vit en nous Est-ce que les hommes le vivent en nous Est-ce que nous le témoignons Est-ce que les gens le goûtent en nous Partout où nous pouvons être. Détachez vos regards de votre petit, de votre petit monde. Personnel et regarder un peu ailleurs. Détachons un peu nos regards. Nous avons un petit monde là, nous avons mis des œillères. On ne voit plus rien. On ne regarde que devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, c'est toujours c'est monotone, c'est toujours la même chose. Mais c'est parce que tu n'es pas allé chercher, tu n'es pas allé vers Jésus, tu n'es pas allé vers lui pour rechercher cette amitié. Et vivre sa grandeur, l'intimité de Christ. Alors nous découvrirons des champs de travail lorsque nous allons, lorsque nous nous quittons vers notre petit monde personnel. Le Seigneur Jésus est heureux quand il nous voit au travail. Pour lui, ses œuvres sont si variées, elles sont toujours à notre portée. Pas loin de nous, sous nos yeux, à la mesure de nos capacités. Vous savez, dans mon quartier, mon voisin en bas avait son papa très malade, face terminale. Je bénis mon Dieu, notre Seigneur, parce qu'il m'a fait grâce de témoigner à cet homme avant sa mort. Avant sa mort, un musulman. Ah, je bénis Dieu pour ça. Mais je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'il a ressenti. Mais j'ai tout fait pour témoigner à cet homme avant sa mort. Je crois deux, trois jours avant sa mort. À côté de nous, il y a des gens qui meurent chaque jour et qui ont besoin de vivre Christ de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Jésus aime parler avec ses amis. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de Dieu, ce sera dans ces liens d'amitié-là. Parce que le Seigneur nous parle comme à des amis. Il nous a fait connaître ce qui nous attend dans la gloire éternelle. Il nous a dit qu'il reviendrait. Il nous a parlé des temps difficiles des signes qui précéderaient son avènement. Il dit Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris du Père. Quand on a un ami, c'est un plaisir de parler avec lui. Des personnes sont étonnées quand on leur dit que Dieu nous a parlé. Quand tu vas voir quelqu'un dire Mais tu es fou, tu parles avec Dieu Comment Comment tu peux voir Dieu On nous traite souvent de n'importe quoi. Parce que les gens ne, ne savent pas, ils ne sont pas amis avec Dieu. Ils ne le connaissent pas. Et même dans l'église, ici, là, des fois, on dit, le Seigneur m'a dit, on dit, oh frère, frère, pardon, laisse un peu comme ça, tu deviens un peu trop illuminé. Parce qu'il manque d'amitié, d'intimité avec Dieu. Eh oui. On fait tout pour parler avec son ami. Parce que ces gens n'entendent pas, ils n'entendent rien de la part du Seigneur. Jésus a parlé de la grandeur de Dieu à ses disciples. Et il dit, les brebis entendent sa voix, elles connaissent sa voix, dit Jésus. Jean 10, verset 3 et 4. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, celle-ci devient vivante. Elle semble s'adresser à nous directement. J'aime bien des fois, je, je, après je vais aller un peu plus loin pour m'arrêter, il y a des, des prophéties, des paroles de connaissance qui, à l'Église. J'aime bien des fois les gens qui disent, ah, c'est pour lui, c'est pour lui. <laughs> uh -huh, je savais, je savais, mmh, le Seigneur parle. Dieu, tu es bon. Mmh, tu as parlé aujourd'hui. On regarde le frère à côté. Mmh, tu as parlé. On regarde la soeur à côté. Mmh, Seigneur, c'est vrai même. Mmh, mmh, tu as parlé. Et tu oublies que ça te parle aussi à toi. C'est souvent comme ça. Dieu a dit mmh, il t'a parlé, non Tu vois, c'est venu pour toi. Moi, j'ai dit aussi, Dieu a parlé à l'autre. Et moi alors J'aimerais aussi entendre sa voix. Bien comme pas bien. Mais qui me parle aussi. Qui me dit aussi. Mais nous pointons toujours le doigt. Et on oublie que Dieu nous parle. Parce que cette même parole qui vient, elle vient aussi pour nous. Elle ne vient pas que pour l'autre. Et cela me permet de réfléchir. De dire hum, Seigneur, si tu as parlé comme ça, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu vient. Elle nous conseille. Elle nous console aussi. Amen. Certains ont des Bibles bien usées, des textes soulignés. Pourquoi Y a-t-il des versets plus importants que d'autres Toutes les paroles de la Bible ont une valeur éternelle. C'est parce que des fois, ça nous parle sur place. Mais. Je veux dire, la petite virgule que tu as laissée là-bas à côté, elle parle peut-être encore plus que ce que tu as surligné de l'autre côté. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Amen, ma soeur. Oui. Mais le Seigneur a fait entendre sa voix par un verset. C'était une consolation personnelle une direction à prendre, un conseil approprié aux circonstances, une révélation de la grandeur de Dieu, un puissant encouragement. Oui, Jésus parle à ses amis pour leur bien. Il ne les oublie pas. Il connaît parfaitement le chemin par lequel ils passent, que nous passons. Il sait comment accompagner ses amis sur ce chemin qui est si difficile, si dur, et entretenir l'amitié de Jésus. C'est merveilleux. Qui suis-je pour entendre Jésus me dire qu'il a fait de moi son ami Qui suis-je Cette pensée nous gardera dans la plus grande humilité et dans une profonde reconnaissance. Qui suis-je Je ne suis rien, Seigneur, qu'un pauvre pécheur qui a besoin de ta grâce. Quand nous commençons à comprendre cela, on ne peut pas être orgueilleux autant. Parce que c'est Dieu qui vient à nous. C'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui met en nous son Esprit Saint pour nous diriger, pour nous contrôler, pour nous soutenir, pour nous, nous amener. C'est lui. On ne peut pas s'élever. Ça ne sert à rien. Ça m'amène où Nulle part. Nulle part. L'humilité précède la gloire. Oui dans la plus grande humilité et dans une profonde reconnaissance. Je n'ai rien fait pour mériter cette amitié et nous n'avons rien fait pour mériter l'amour de Dieu. C'est une grâce de Dieu. À cause de cette amitié, je lui suis reconnaissant et je veux rester à l'écoute de Jésus pour mieux lui obéir. Pour le servir avec plus de dévouement et de consécration. On fait des erreurs dans la vie, mais il faut savoir se relever. Et dit Seigneur, Allons-y. On avance. On avance avec toi. Parce que tu es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Je veux le retrouver le plus souvent possible pour recevoir ses conseils et son aide. Je fais tout pour garder cette amitié. Je fais tout pour demeurer en Jésus. Je fais tout, 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 tout et tout. Est-ce que nous faisons tout pour devenir amis de Jésus? Est-ce que nous gardons son amitié? Est-ce que ces commandements sont gravés dans notre cœur? Et si ces commandements sont gravés dans notre cœur, est-ce que nous les gardons? Est-ce que nous les pratiquons? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Je vais laisser la place au pasteur.